cette nouvelle édition de la Parenthèse Immobilière. Aujourd'hui, nous sommes à Plessis-Robinson et nous allons à la rencontre d'Anne Boucaud, qui a monté sa propre agence digitale il y a un peu plus de 2 ans. J'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet. C'est parti. Bonjour Anne. Salut Gus. Merci de nous recevoir dans ce beau parc. C'est vrai que ça change des bureaux, c'est bien aussi. C'est ça. On est sur la Coulée Verte et on touche le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, Fontenay-Rose. Qu'est-ce qui te différencie d'une agence, d'une autre agence? J'ai choisi d'être complètement digitale parce que autant le client, c'est très important de le voir en contact physique, autant tout ce qui concerne la digitalisation est très intéressante aujourd'hui. Donc tout ce qui va concerner les visites vidéo, c'est un gain de temps pour tout le monde. Ça permet de bien filtrer et de se rendre compte de ce qu'on va visiter. Et je suis entourée de partenaires que j'ai sélectionnés. Est-ce qu'il y a une évolution dans la demande ou est-ce que la demande est toujours la même depuis le Covid? Tous les Parisiens sont venus s'éloigner sur notre zone ici avec une vraie demande pour tout ce qui concerne les jardins, les terrasses et tous les aspects extérieurs. Et tu penses que le télétravail a joué son rôle aussi là-dedans? Alors il y a une évolution effectivement au niveau, je dirais, des styles de vie. Donc l'aspect bureau, c'est des choses qu'on nous demandait très très peu avant. Et là, parfois, il faut même un bureau pour madame, un bureau pour monsieur. Donc comme tu l'indiques, il faut un peu se réinventer. Si l'espace est un peu restreint, imaginez d'avoir peut-être un espace dans le salon dédié à ou un petit coin bureau sur des biens parfois, réfléchir aussi sur des maisons à des extensions possibles. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Gus.